je m'appelle Gloria Kamba. Je suis là à Impact Junior en tant qu'aide, donc j'aide au niveau du chant et de la danse. Bonjour Bruno, Impact Junior, moniteur pour les enfants. Anne-Régine, je suis la responsable d'Impact Junior. Je suis Mireille, maman Mireille, comme tout le monde m'appelle à Impact Junior. Je suis monitrice et responsable de la coordination des activités lors des stages Impact Junior. Ce stage s'est vraiment bien déroulé. On a eu des parties de foot, on a eu des parties de peinture, cuisine. Bref, on a eu pas mal d'activités intéressantes. Le but, c'est vraiment que les enfants puissent passer des vacances et s'amuser malgré tout quand même, quoi. Donc au travers de ce stage, ça m'a permis de pouvoir développer ma patience. Ça m'a permis aussi de pouvoir être à l'écoute des enfants, d'être attentionné et de pouvoir juste leur apprendre encore de nouvelles choses. Ils se sont super bien amusés, je pense que ça a été super positif. Ils ont appris des choses parce qu'il y a un atelier de dessin qui s'est fait ce matin. Et de temps en temps, les enfants aiment dessiner, mais ils ne savent pas forcément quoi, comment dessiner. Les enfants sont plutôt très sages, peut-être bruyants, mais sages. Assez sage pour, voilà, pour ne pas avoir à les recadrer ou aller à leur imposer quoi que ce soit. Moi, mon conseil pour les parents serait vraiment de n'hésitez pas à les amener parce que les enfants venant ici, ils ont la possibilité de pouvoir encore développer leur potentiel. Ils ont la possibilité de pouvoir rencontrer d'autres enfants et au travers de ça, si un enfant était timide, il a la possibilité de pouvoir encore s'ouvrir, de pouvoir se découvrir, de pouvoir encore améliorer ses talents, ses dons. Et les mettre tout simplement au service du Seigneur par la suite. C'est plus pour encourager les parents à veiller à ce que les enfants assistent à ce type d'activité parce que ça leur permet déjà d'avoir un contact avec les autres enfants de l'Église et même, pourquoi pas, aux parents de se rencontrer les uns les autres. Et c'est aussi instructif. Par exemple, pour moi aussi, j'ai appris à faire de la peinture aujourd'hui, je ne l'avais jamais fait avant. Je suppose qu'un enfant va trouver ça encore beaucoup plus fascinant. S'amuser avec des couleurs et les mettre dans n'importe quelle direction. Donc oui, ça a un côté éducatif, ça a un côté de communion entre les différents enfants de chaque famille et c'est plutôt une bonne chose. Quand je suis venue à ICC, j'avais mon fils qui avait 3 ans et donc qui devait intégrer Impact Junior et il ne voulait pas. Et donc moi-même, je l'ai accompagné, je suis restée là pour pouvoir justement m'occuper de lui. En étant sur place, je me suis spontanément occupée des enfants. Et donc au fur et à mesure, la monitrice est venue vers moi en me demandant si je voulais servir à Impact Junior. J'ai dit oui, sans réfléchir. Et aujourd'hui, mon fils a 7 ans et je suis toujours à Impact Junior. Maman Mireille a choisi Impact Junior comme ministère. C'est premièrement parce que Maman Mireille a 4 enfants. Et conduite par le Saint-Esprit, je me suis dit, en tant que maman, je pense que j'ai une petite expérience à faire partager au sein d'Impact Junior. Donc voilà, et je me suis lancée, conduite par le Saint-Esprit, et là j'ai découvert beaucoup de choses, parce que la parole de Dieu nous demande d'aller et de faire des nations des disciples. Et je pense, pour ma part, Impact Junior, les enfants, c'est là qu'on place les bases. C'est là qu'on place vraiment les bases, c'est là qu'on attire les âmes, c'est là. Et je pense qu'Impact Junior, c'est vraiment, pour moi, c'est mon appel. C'est là que je dois placer, c'est là que je dois pêcher les âmes vers pour le Seigneur. C'est là que je dois planter. Et les enfants le donnent tellement bien. Il y a un amour, une sincérité, une franchise avec les enfants, une communion. Le but du stage de vacances, premièrement, c'est d'occuper les enfants parce qu'il y a des stages organisés à gauche, à droite, mais les stages Impact Junior, c'est focaliser les enfants sur Christ. Et le but, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur apprend. On parle de Jésus, mais Jésus, ça doit être une réalité dans leur vie. Et le but d'Impact Junior, c'est Jésus, Jésus c'est qui, c'est quoi? On nous apprend quoi, Impact Junior? On nous apprend l'amour,
on nous apprend le pardon, on nous apprend la communion fraternelle. Mais maintenant, toute une journée avec les amis, ben, on apprend à vivre en société, on apprend à partager, on apprend, on se découvre au travers des ateliers. Moi, je suis capable de faire ceci, l'autre ne sait pas le faire, comment je peux faire pour l'aider, et, etc., etc. C'est vraiment une richesse. Là, on est parti faire du baseball à l'extérieur. Ah ben, y a un petit garçon qui est venu jouer avec nous et qui ne faisait pas du tout partie de l'église. Et je trouve que justement, c'est un des buts, au fait, pouvoir évangéliser au travers justement de ce qu'on fait, au travers des activités, mais au travers également de ce qu'on fait. Un PAD junior, c'est pas une garderie. Un PAD junior, c'est l'église des enfants. Ça serait dommage de pouvoir passer à côté parce que les parents qui hésitent d'emmener les enfants pensant que c'est une garderie, non, c'est faux. Les enfants apprennent énormément. Moi, je suis agréablement surpris de voir des parents qui viennent vers moi en me disant, en me racontant une autre scène qu'ils ont eu des enfants parce que les enfants viennent à un PAD junior, les enfants ont appris X et Y choses et ils viennent vers nous pour nous dire, mais franchement, j'aurais jamais appris ça aux enfants, à mes enfants, et j'étais surpris que les enfants, en discutant entre eux, ils ont eu une discussion en disant, est-ce que vous savez, la parole est créatrice. Donc quand les enfants jouent, ils sortent une phrase, il y a le frère qui dit, fais attention, la parole est créatrice. Si tu dis que tu n'es pas intelligente, tu vas devenir moins intelligente. Si tu dis que tu n'es pas ceci, c'est ça que tu vas devenir. Donc il faut faire attention. Et la maman était surprise. Je dis, ah ben oui, un PAD junior, ce n'est pas une garderie. Hein. C'est vraiment une église. C'est vraiment une église des enfants. Et il y a toute une préparation derrière, hein, conduite par le Saint-Esprit toujours. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Allez, Emmanuel est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Allez, Emmanuel est parmi nous. Il est parmi nous. La kissa moné nanzambe. La kissa, la kissa. La kissa, la kissa. La kissa, la kissa. Montre-moi la gloire du Très-Haut. Vas-y, monte, vas-y, monte. Wesh. Vas-y, monte, vas-y, monte. Wesh. Vas-y, monte, vas-y, monte. La kissa moné nanzambe. La kissa, la kissa. La kissa, la kissa. La kissa, la kissa. Montre-moi la gloire du ciel. Vas-y, monte, vas-y, monte. Wesh. Vas-y, monte,